c'est le temps du témoignage. Partout d'ici qu'à vos amis, si qu'il était Nzambe à centre de réveil spirituel, Nzambe à Walesa, à Pambolabino. Donc, vous avez une fois, on a tant de témoignages qui est une émission spéciale où tu es là, Rabino, bonnes œuvres, il y a Nzambe, Kolo Labiso, à l'Ossal à travers son serviteur, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa. Pour aujourd'hui, ton mémé Labino, Ndeko Labiso, Moko Yamwasi, notre sœur Rebecca Mayombo. Oyo azana biso na plateau a webi à chaque fois tous aura ba invité et ça la ka pour que et fortifie yon de kozo na biso oyo ka témoignage ya muninga et pesa o makasi et pesa yo espoir et pesa yo soulagement o mona ke problème oyo zanango ozali le seul ou la seule personne ya ozanango na mokilité et zaki pe na batumusu bazaki na problème wana avant yo mais bazui solution na nzela ya nzambe wana parce que la Bible déclare notre Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement. Oh, il y a un Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Il y a un Kabundi Walesa. Notre sœur Rebecca a souffert dans la ville de la province de Kinshasa. Elle a béni pendant 4 ans. Elle a outaki intérieur et Mboka, plus précisément dans Kassai. Comme toute une jeune fille intelligente, a joué bourse de titre. Elle a eu autant à l'université de Kinshasa. Elle a commis un problème et bandit. Maladie, oh est-ce là, oh moussou et bakisani. Oh est-ce là, oh moussou et bakisani. Combat sur combat. Maladie plus maladie. Problème plus problème. Difficulté plus difficulté. Souffrance plus souffrance. Mais parce qu'il y a un Dieu, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ténèbres, mais quand il y a un régné, il y a vie à Sœur Nabiso Rebecca. Mais le quoi, tu as un Nzambe à Mbalamoko Mbalamoko. Nzambe à Tiko Tak. Nzambe à Osimbi, au Moni, Pen Nzambe à Neuvre. Nzambe à Walesa. À Moni, ça n'a vie à Sœur Nabiso. Nga na ozo parole mingitie. Non, lingaye mo parce qu'elle est présente à la plateau Nabiso. Eh, bisabiso, ni nyo Nzambe à Salélié. Ni nyo ya Moni. Ni nyo est comme lié. Ni nyo yo, et ben d'ailleurs, Osimbi, à Télé, le Simbi. Ni nyo est là qui comme problème et une solution. Ni nous a dit comme maladie et vu guérison. Sœur Nabi Soazawa. Bonjour ma sœur. Bonjour frère. Oui, merci beaucoup ma sœur Rebecca. Tolingato est ba raison na yo na plateau na biso. Parce que plateau yo kiti au vandio yo. Zaki ti ba longi. Zaki ti ba toyo Satan meka bango amona loboko na nzambe. Zaki ti ba toyo ba yaka ba tato la monene ya nzambe. À travers son serviteur Claude Kabundi Walesa. Et ça quitte à bateau, bah y'a rapport avec sa Satan, au meka kinga, mais au échoué. Parce que yon n'a quitté au vendio, ni n'izamba salio ma sœur Rebecca. Merci beaucoup, mon frère. Ce qui n'a eu awa, je suis venu édifier le peuple de Dieu. Amen. Leur montrer le bienfait de Dieu à travers son grand serviteur, Papa Claude Walesa. Amen. C'est Dieu vivant. Pour qui j'ai palpé les grandes merveilles, les grandes choses dans ma vie. Le Dieu qui m'a soutenu depuis 2010 jusqu'à ce jour, c'est Dieu-là qui fait. Amen. Ce n'est pas Walesa qui fait, mais c'est Dieu-là qui fait au travers de papa. Amen. En tout cas, bien-aimé de Dieu, j'ai traversé les moments les plus difficiles de ma vie et je me disais à un certain temps que Dieu n'existe pas. Mais quand j'ai croisé cet homme de Dieu au travers plusieurs intercesseurs, du ministère centre de réveil spirituel, j'ai palpé les bienfaits de Dieu et j'ai accepté que Dieu vit encore et règne encore dans ma vie. Oui, notre sœur, vous avez palpé que Dieu vit encore et il règne toujours dans nos vies. Bien-aimé dans les seigneurs, Zola Nabiso, Walesara Kentro, sœur, maman Rebecca, de grandes choses, Makambwa Miné, tant que Zola Baboué, comme on l'ingisanga déjà, n'a commis un souci na yeba. Quelles sont ces grandes choses? Makamwa mineno nzamba sali. Oyo o palpe. Ko palpe na français na linga na lingango et arabien babara o simbi, o moni. Quelles sont ces grandes choses nzamba sali? Merci beaucoup.
les grandes choses pour lesquelles je viens témoigner en ces jours sont une grande guérison contre la maladie de la gale et la maladie de la toux chronique appelée asthme et une grande réussite des diplômes de troisième cycle que le Seigneur m'a accordé pendant que j'ai traversé le moment difficile. Amen. Les diplômes de troisième cycle, donc maman de Osabouye, vous avez la maîtrise là-haut. Vous avez la maîtrise là-haut. Que ce Dieu-là soit loué. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, maman Nabiso a eu diplôme, tina maîtrise. C'est-à-dire, elle a licence. L'icolo a licence. Dans deux abouye, normalement, on a dit que nous avons un biso dans le centre de réveil, on a un ennemi. Il faut nous ça déjà pour. Donc, il faut nous ça pour. Cours en moi, on a maternelle, on a primaire, on a secondaire, on a université. On a l'icolo. Merci, mais tout le monde est ma jeunesse. Il y a des gens qui sont wapi. Et puis, il y a des gens qui sont wapi. L'Ikambango, c'est commencé ici à Kin. Je suis là depuis 2010, au mois d'avril. Je vivais bien dans une bonne ambiance. En bonne avec santé. Avec les amis, en bonne santé. Arrivé au mois de novembre 2011, je suis tombée sérieusement malade. Et quand j'ai commencé à souffrir, je suis rendue dans un centre hospitalier aux environs de Limikin où je me suis fait soigner. C'était bien passé. Deux semaines après, j'ai rechuté. Je me suis rendue encore dans un autre centre hospitalier où on me dira que non, je suis atteinte d'une infection. Je me suis faite l'idée de me dire que peut-être c'est puisque je loge le home et les conditions sanitaires tellement qu'elles ne sont pas réunies. Peut-être, ça peut être l'origine de l'infection. Trois semaines après, j'ai rechuté. C'est à ce moment-là que je me suis décidée d'aller aux cliniques universitaires. Ce qui m'avait plus poussé aux cliniques universitaires, j'avais observé un bouton à ce niveau. Et c'est ce qui me confirmait même que ça pourrait être une infection. Quand je me suis rendue aux cliniques, le médecin m'a dit que non, tu souffres de la maladie des gales. Il te faut passer à une biopsie. J'ai appelé mes parents, je leur ai expliqué la situation. Ils ont accepté de m'envoyer le nécessaire pour ces examens-là. Je me suis rendue aux cliniques. La biopsie était fixée à $80. Avec ma carte d'étudiant, on m'avait accepté avec une réduction de 40 000 francs. Le médecin m'a suggéré de me couper une partie des peaux ici. Je vois la cicatrice. Oui. Qu'on avait soumis aux analyses. Et depuis 2011 jusqu'ici, je n'ai jamais vu les résultats de cette analyse. J'ai appelé ma grande sœur. Je lui ai dit, j'ai soumis la pièce aux analyses, mais les résultats ne sont pas sortis. Elle me dira, tu passes d'abord me voir. Quand je suis partie la voir, elle m'a dit, si nous pouvons aller voir les grands frères, c'est les grands frères et sa femme qui me diront que non, qui me diront que c'est la maladie de la gale, communément appelée PC. Tout le monde m'a dit, si Kawana, 2010 arrivé à Kinshasa, en très bonne santé, au Kina Bourse, on a une équine, c'est au Bandi Kotanga. En 2011, problème est Bandi, infection. Au Kina Premier Centre Hospitalier, ça l'examen de PC va ici. Au milieu qui est un peu malade, au sali réchite après deux semaines. Au lobby, non, on a changé dans nos centres. Peut-être que nous avons passé un médicament non approprié. Aucun deuxième centre hospitalier, la pression va produire. Au milieu aussi, si trois semaines après, encore une fois réchite, au lobby, non, on a beau dans un centre hospitalier. Cette fois-ci, on a accueilli la clinique universitaire, hôpital à Mounen. Dès qu'on a mangé la nabisso quelque part, peut-être un problème, tu te dis, bah, hôpital, on a besoin de indiquer une maladie, on a besoin de cocola. Attention! Au gros qu'on est même na Suisse, au gros qu'on est même na Inde, au gros qu'on est même na Afrique du Sud. Mais ce qui problème na yo maladie on les a spirituels bien aimés, au kobe bisambongo, au kobe bisambongo solution qu'on a raté parce que il y a la solution quelque part et cette solution là s'appelle Jésus Christ. Merci, on continue. Et quand je suis arrivée chez les grands frères, le grand frère m'a dit que non, tu es atteinte de la maladie des cales.
Nous avons dépêché un papa tradit praticien que nous connaissons en Bujima. Il nous a envoyé la formule pour les produits. Quand on a fait ces produits-là, ça n'a pas répondu. Il m'a demandé d'appliquer l'huile de boa, du serpent boa. Je me suis rendue au marché Zikida pour en acheter. Une dame m'a vu de loin, elle m'a appelée. Elle m'a dit, madame, viens. Tu cherches quoi? Je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Elle me dira, j'ai ça, mais je ne pourrai pas te vendre. J'ai dit, pourquoi, maman? Elle me dira, dis-moi la personne qui va utiliser ça. Je lui ai dit, c'est la grande sœur. Elle m'a dit, non. C'est toi qui veux utiliser ça, puisque tu as telle maladie. J'ai essayé un peu de résister. Vu son insistance, j'ai accepté. Elle m'a dit, je peux t'aider. Je vais appeler un papa David, comme ça, il habite du côté Croix-Rouge, comme ça, il pourra t'aider. Nous avons appelé les papas, je suis partie ce même soir-là voir les papas. Nous avons pris contact, il m'a fixé rendez-vous le lendemain matin, je suis partie, il m'a donné les produits. Trois jours après, j'ai demandé au grand frère de m'accompagner là-bas. Il a demandé à ces papas-là, s'il peut nous dire l'origine de la maladie. Le papa a dit, il ne pourra jamais nous dire l'origine de cette maladie-là. Quand je suis restée avec lui, il m'a dit, je vais te le dire après. J'ai fait signe au grand frère, je lui ai dit, ce papa-là m'a dit, il va me dire ça après. Je lui ai demandé, comment est-ce que vous saurez la personne qui m'a jeté ces mauvais sorts? Puisqu'il m'a dit, tu n'as pas piétiné ça en route, ce ne sont pas tes amis ou qui, mais c'est un mauvais sort jeté par jalousie. Bien aimé, la ligne des malades en PC, ils ont ma pointe à te. Ma pointe zéro bimon mouki au moni, mais on est malade en PC. Et les papas en question, on est en CBC et que non, c'est un mauvais sort, c'est-à-dire, bah, boua quel lieu à moi. Au moni, mité ma yabatou n'est pas à la ca. Au moni, mon kili te vend dans la n'est pas à la ca. Il y a des choses qui se font. Oh, yo, peut-être que vous avez moi, je suis malade, mais moi, je suis malade. Vous avez des gens qui sont malades, mais vous avez des gens qui sont malades. Toujours avec les ténèbres, vous régnez toujours les colonnes. Moli, vous avez toujours les colonnes. Pourquoi? Parce que vous avez dit que vous avez dit. Pourquoi? Parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Mais vous avez dit que vous avez dit à maman, vous avez continué à malade. Il m'a dit qu'il aura utilisé les herbes qu'il pourra mettre sur les tâches, là où il y avait de la cale. Pour savoir la personne qui m'avait jeté ces mauvais sorts. Tellement que j'avais besoin d'être guérie, je ne lui ai pas demandé. Au retour au home, une amie avec qui on partageait la chambre m'a dit, Rebecca, ces problèmes ne viennent pas de nous comme tu peux les prétendre, mais viennent de ta famille. Mais ne pense pas que ça peut être tes frères ou tes soeurs qui peuvent faire ça par jalousie, mais c'est vraiment de la famille large. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Elle a dit, j'ai le sens seulement au cœur que ce ne sont pas tes frères, ne soupçonne personne de la famille restreinte. Pas de la famille restreinte, mais de la famille large. Donc, famille à moi, Moussika. Non, on a soupçonné mes frères, oui. Mais aussi, ils ont né la bateau à Moussika, la famille. J'avais négligé et la grande soeur s'est décidée de m'amener ici. Ici, c'est-à-dire au centre des réveils spirituels. Au centre des réveils spirituels. Quand je suis venue pour la première fois, j'ai croisé Papa Narcisse. Il a prié pour moi. Il m'a demandé aussi de persévérer dans la prière. J'ai utilisé plusieurs produits, même pharmaceutiques. Produits cosmétiques, pharmaceutiques. Même les produits à hydroquinone, mais les tâches ne finissaient toujours pas. Tellement que j'ai prié Dieu qu'il me montre l'origine de cette maladie, puisque je m'étais fait un examen de conscience. Je n'avais pas trouvé où j'avais déconné et je pouvais avoir cette maladie. Cette étape est finie. Dieu avait fait grâce. J'ai défendu mon mémoire de licence en agronomie. Avec la maladie. Malgré que vous défendez la maladie. Pourquoi nous avez toujours dans d'autres zones de recherche? Oui, c'était toujours là, ça me dérangeait. Je ne parvenais même pas à étudier. Mes amis connaissent ça. S'il faut sortir pour aller étudier, dès que je suis devant la salle de lecture, il faut que je commence à m'écrater. J'utilisais même ma latte. Oui, j'utilisais même ma latte pour m'écrater. Quelle souffrance. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette souffrance? Et Dieu, comme il ne laisse pas les leurs, j'ai prié toujours. Un jour, je suis venue ici à la prière. On a prié pour moi.
l'esprit a essayé de parler pour me dire pourquoi je l'amène au centre des réveils spirituels pour le faire souffrir. Makamwe Bandi, toujours notre sœur a eu un centre de réveil spirituel. Pendant la prière, les esprits ont commencé à parler. Bien aimé, il y a toujours un endroit idéal. Les alakara ne sika moko. Oyo zambe a bongi saka pour na banana. Bien aimé, ce n'est pas par hasard oyo zambe a bisaki Abraham quitte la maison de ton père et de ta mère. Nzambe ko kosa Abraham na ndako tata na mama na ye. Mais nzambe linga ke okuta na Abraham quelque part, un endroit bien précis. Nzambe a bisaki na bana Israël. Soki nyoka oyo a suivi no, botala nyoka motako. Ko kosa mo botala boye. Botala boye, nzambe salaka toujours avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et puis à un endroit bien précis, bien aimé. Tant que bete la rabino li sur le centre de réveil spirituel. Tant que sa rabino li mettait à venir motokole numéro 15. Et ça par hasard ti. Mase rabane ko sambela. Mais tant que komi yoka ba démon, milimo mabe na lingala linga obenga bango bongo. Na français a kito komi. Na lingala milimo mabe nini basolo ba? Pourquoi on me mis biso les siko pour te souffrir? Ah! Donc il y a des endroits ce qu'on me mis molimo mabe, on me mis démon au vent na ti. Ce qu'on s'est envoûté, ce qu'on s'est dit à démon à Katinaio, ce qu'on m'a mis dans ma place, le quoi le centre de réveil spirituel, à quoi vous résistez, moto ya koyoka, à quoi céder à quoi bimaroti kayo. Ma sœur continue. Et quand l'esprit parlait, papa Stanier, papa Narcisse m'a demandé de persévérer dans la prière, je venais toujours. Dieu avait fait grâce. J'avais fini malgré la maladie. Malgré la maladie. Et quand j'ai fini, les parents m'ont demandé qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi, puisque j'ai fini mes études. Mm-hmm. Je leur ai dit, si vous pouvez m'aider à partager même un souper avec mes amis. Une petite réception. Oui. C'était bien organisé. Le soir de la manifestation à 18h, comme la manifestation était prévue à 19h, à 18h, j'ai senti comme de l'air qui passait au niveau de la gorge. C'était le 24 septembre 2013. J'ai senti comme de l'air passait au niveau de la gorge. J'essayais de pousser. Par après, la voix était partie et je ne parlais plus encore. Juste après ce passage de l'air, la voix aussi est partie. La voix est partie. Mon nom est Kéi. J'avais même prévu un discours, un mot de remerciement et je ne l'avais pas fait. Parce qu'il n'y avait plus la voix. Quand la voix est partie, les amis me demandaient, mais comment toi qui animes nos manifestations vraiment aujourd'hui, tu ne bouges pas, tu nous rends vraiment mal à l'aise. Bon, ils devraient excellemment comprendre puisque ce n'était pas volontiers que je faisais ça. Le lendemain, après fête, la voix est retournée. J'ai dit à ma grande soeur, je ne comprends pas ce phénomène. Le jour de la fête, la voix est partie. Juste un jour après, la voix est retournée. Non, en tout cas, je vous suspecte. Je disais ça comme ça. Je vous suspecte, en tout cas, Bokolon Kangaïté. Et c'était passé. Après une semaine, c'est là tout qui commence. Juste une semaine, après la collation des grades, après la fête. La fête, là tout commence. C'est au mois d'octobre. J'ai toussé à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mi-novembre. Je ne faisais que tousser. Ça, c'était 2013. 13 ans. Je ne faisais que tousser. J'ai pris les produits. La grande soeur m'a dit, peut-être puisque tu n'as pas fini la cure, tu peux prendre un autre produit. Je suis partie à l'hôpital. On m'a examinée, on m'a prescrit. Et je me faisais même des prescriptions puisque je voyais que ça ne tenait pas toujours. Je suis partie à partir du mi-novembre. Jusqu'au mois de mars, je ne toussais pas. À partir du mois de mars, là, tout est revenu, frère Dino. Une toux sérieuse. Si je tousse, il faut que je fasse pipi dans les habits. Ce n'est pas normal. Il faut que je cherche là où il y a de l'air. Il faut qu'on m'amène dehors. On passait nuit dehors à la belle étoile. Et c'était s'il vous plaît, dur. Maman Rebecca, bien aimée dans le Seigneur, aux autres dans le témoignage, j'ai dit que place aux alliés, aux très touchés. Yoka, ndeko na biso mwasi, malgré la maladie, à Zaki, n'a pas eu Nzamba sali grâce à Silisi Kelasi. Mais le jour de la fête, a préparé discours naé, a remercié ba ninga naé, ba famille naé, ba parents naé, ba tout nyoso ba assisté pendant long moment wana nyoso. Yabeti,
Les jours J même, fait que ce soit à 19h, à 18h, il y a un peu de qui gorge, voyons ce qui est. Moi, discours et ça, la main est. Il y a certaines choses dans nos vies, bien aimées. Tout le monde a un mot de foi normal. Au bel et au qui m'ont tout passé, trouvant normal. Moi, je suis tout en moto, trouvant normal. Moi, sinon, je suis en moto, je suis en moto, je suis normal. Yo moko musa les autres simbatolobi à makabosa mala muto trouvant mon normal. Attention bien aimé, il y a certaines choses où yo trouvant mon normal, mais c'est anormal. Et ça la batou musu sur ma paix basa derrière ces choses là, parce que notre sœur a voulu que le babon malade a fait ses anormal, parce que toujours vendre dans un home toke dans la bichon se sika moko bichon se toke dans la rosu kole sika moko et ça va microbe. Alors après qu'on trouve mon pépé les gars qui ont la gorge normal, non ils ont mon pépé et les qui n'ont mon caca. Mais yo kasi ko yo kosu kosu e ko banda kosu kosu eza ko silate mutazola late o mona wapi mutazo kosola ae bana kosu bana nzoto donc oso kosola masou bezandi frein eza ko bima directement. Est-ce que c'est normal bien aimé? Attention avec certaines choses yo trouvera normal, ce sont des choses anormales, il faut tout le kanza bien aimé. Oui ma sœur, continuez. Oui, et pendant que j'ai poussé, pas seulement les urines, mais j'ai perdu même d'appétit. Mm. Je peux faire cette crise-là pendant même 5 jours, 2 semaines. Tu es toujours là, allongé sur les lits en train de tousser. Sans manger. Sans manger. Mm. Il fallait que ma grande sœur revienne le soir pour me laver. Je n'avais même pas de la force. Je ne travaillais même pas. J'étais restée vraiment inapte. J'ai persévéré toujours à venir à la prière, pour prier pour moi, pas papa Stani. Même au téléphone, quand je sens que ça ne va pas, je l'appelais à un moment, il criait, j'appelais maman Kati, papa Stani, papa Diba, les autres priaient pour moi. Ils me demandaient seulement de persévérer, je venais toujours. Arrivé au mois de juin 2014, c'est-à-dire depuis mars jusqu'au mois de juin, quand j'ai vu que la maladie persistait toujours, je me suis dit que je peux aller me faire examiner là où il y a une prise en charge de tuberculeuse. Mmh. Je suis partie, puisque je soupçonnais peut-être que ça peut être de la tuberculose, je suis partie à l'hôpital armé du Salut au niveau de Roakati. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a examinée. Avant d'y aller, j'avais appelé les parents, je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit comme ça, nous allons t'aider avec quelque chose pour que tu puisses partir. Dans le moment où il y a un centre de la vie, il y a un centre de la vie pour que quelqu'un puisse s'examiner. Au moment où il y a une demande d'emploi, il y a un centre de la vie qui est en train de se faire. Bienvenue dans le Seigneur, au moment où place délivrance est tellement importante dans nos vies. La délivrance a une grande place dans nos vies, bien-aimés. Parce que ma camo est au sein de quartier, de mon inabiso, de mon quartier, de ma famille, inabiso. C'est pour cela que nous avons toujours ensemble. Et bon, nous avons toujours ensemble. Oui, maman, on a eu. Ok, si coco, non. Quand je suis partie après examen, le laboratoire m'a demandé pourquoi je suis partie me faire examiner dans l'air hôpital. Mm. Je lui ai dit, c'est puisque je suis malade. Il m'a dit, tu souffres des fois. Je lui ai dit, j'ai tousse, je ne dors pas. Mais les examens, les résultats sont là. Tu n'as même pas le verre intestinal. Mm. Et tu as beaucoup d'argent, c'est pourquoi tu es venu me donner. Je conclue que c'est un problème spirituel. N'hésitez pas seulement de me mettre dans les mains du Seigneur et continuer à m'appeler pour moi. Maman Rebecca, même Banyama ya Pamba Oyo, Bazanali, Baskaris, Bazati, au comprendre que c'est un problème spirituel. Bien aimé, problème spirituel, ils ont rappelé guérison spirituelle. Une question spirituelle est à peine la réponse spirituelle. Sauf qu'ils ont un problème spirituel, ils ont une maladie spirituelle, au luki guérison physique, au luki guérison, et pas ma minganga, ou ma tangi médecine, sans que on ne pas en zambé ou à salan zoto. Bien aimé, réponse est à la négative, au kotambo la mingi, au cause la mingi, et diable a rougi même pour profiter en apo à zoamoli menayo. Un problème spirituel, ils ont la réponse aussi spirituelle. Oui, maman. Malgré la multitude des produits que je prenais, j'avais pris la décision d'arrêter et j'ai persévéré avec la prière. En venant ici à l'église, au centre inverse spirituel, papa Stani ne s'était pas fatigué de prier pour moi. Il priait toujours. Un bon jour, je suis venue.
sérieusement malade, c'était le mardi, dans la prière. Plusieurs intercesseurs ont intercédé pour moi. C'est ce jour-là que l'Esprit a parlé, a demandé à une personne qui est déjà morte la permission, si on peut me sortir de la tombe là où on m'avait déjà mis. Et depuis le mois de juin, quand ils m'ont sorti de la tombe, je ne toussais pas. Je marchais bien, je travaillais, le travail que je ne faisais même pas encore à la maison. Je partais au cours un peu normalement et Dieu a aidé. Jusque là, je suis bien, je marche bien, je respire bien. Des fois, je dors même avec la fenêtre fermée. Je dors. Ce qui était impossible est devenu possible. Je dors, je ne passe pas encore nuit dehors et Dieu a aidé. J'ai fait mon examen oral de la défense avec une grande distinction. Amen. Et j'ai fini mes études de troisième cycle. C'est pourquoi je viens édifier le peuple de Dieu. Tout le monde qui me suit ici en RDC, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, que Dieu n'a jamais laissé le tien. Il est toujours là. Et du temps de Moïse, il avait agi. Du temps de Joseph, il avait agi. Et aujourd'hui, il agit avec son homme de Dieu, Claude Kabundjoualessa. En tout cas, chers frères et sœurs, je vous appelle de venir très nombreux expérimenter ces dieux, toucher et palper le merveille tel que moi je les ai palpés. Je ne vais pas faire sa publicité, puisque je me demandais toujours, ces gens qui passent les témoignages aux médias, parfois, c'est pour les éloges à l'endroit des pasteurs. Je me disais, peut-être ils se formulent des témoignages. Et quand je l'ai vécu, aujourd'hui, moi, c'est ton aujourd'hui, cas. Je me suis dit avec certitude que ces gens-là ne font pas les éloges pour leur pasteur, mais au moins ils disent la réalité des choses que le Dieu fait d'eux au travers de ces pasteurs-là. C'est pourquoi je vous appelle de venir très nombreux palper ces dieux, le Dieu de Walesa, le Dieu vivant, le Dieu qui m'a aidé à relever le grand défi. Pour que ça ait étudié, ce n'est pas chose facile, mais Dieu m'a aidé à finir malgré la multitude des souffrances, les maladies et les moments difficiles que j'ai passés. En tout cas, shalom bien-aimé de Dieu, partout où vous me recevez, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, ma sœur Rebecca Mayombo, tout est dit. Bien-aimé dans le Seigneur. Yolandi Bissot, ici au pays. Yolandi Bissot à l'extérieur du pays. Notre sœur a relaté l'histoire de 2010 à 2015. Comment Aouta Kikasai à Kinshasa, avec comme objectif les études, mais à mon niveau, de maladie, à souffrir. Si même ma proche et ma propre parent n'est pas ici, mais quand on s'est dépisté, peut-être cause à cela. Souffrance aux anamos, problème aux anamos, tant que nous sommes et sous qui si on m'a aimé. Banning on va kimio, ma parent on va boire qui si on, bande qu'on va boire qui si on. Mais il y a une personne à Zapembe Ninawa, Jésus-Christ de Nazareth, il y a Tikara Moutouti. Quelle que soit la situation, nous avons passé à Zakana Moutou bien aimé, à Zanaïo. Il y a un Dieu, Zambé on a ce co balako sala, oh y a sala qui hier. Il y a moi ça la lelo na kabundi wa lesa. Nzambe wana bonwanite bi bezo ba ile le même hier aujourd'hui éternellement. Tant que nous avons vu sur Isaïe chapitre 9 verset 1. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ténèbres mère que va n'est pas ma sœur. Et meki pendant 4 ans nanda mais lelo ezawa. Car la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 2 verset 13. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Ce qui ténèbres est vandi. Mais il y a un moment dans ma canisse na moye ba ke. Lumière, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Tant que vous avez vendu ce qui est lumière, vous avez kimaka. Parce que vous ne vendez jamais ténèbres dans la lumière ici, jamais. Et la lumière là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la lumière là, c'est Dieu lui-même. Il y a un travail dans le Kabundjou, allez, salut, bien-aimé. Talande qu'on a vu sur mon passé. Moi, si je suis là, le poteau n'a pas eu mon nom comme moi. Moussala salaté, pau diable, pau basala ba cabane là-bas quelque part. Mais c'est normal, papa, parce que mon père, si moi, on a tangi, lui, il faut se retrouver derrière moi. Papa, il y a un abana, il y a un abisso. Maman, il y a un abana, il y a un abisso. A venir à Banana, il y a un abana, 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 il y a un transport, il y a un moto. Est-ce que ça me la rapporte à Banana, bien aimé? Il y a un abissi, au boy. Centre de réveil spirituel, nous sommes dans la commune de Limité. Dans le quartier Founa sur l'avenue Mouton, le numéro 15, non loin de la chambre froide de l'été.
Non, lui, à chaque fois, il y a tout ça, on a tout le mercredi et dimanche, de 7h30 à 12h30, au Lukara Nzambe. Tu as Romain, c'est Nzambe Likolo. Tant que vous mata, il y a des gens qui sont mata, bien aimé. Il y a des gens qui sont en Nzambe ensemble. Délivrance, c'est locaux, ils ont la vie, il faut les alaka. Ils ont en permanence délivrance. Tu as Romain, c'est Nzambe. Nzambe, ya walesa. Nzambe, il y a des gens qui sont en téléphone, ils ont le bon ensemble. Nzambo au Canada zobenga, Paris zobenga, États-Unis partout à travers le monde bazomwa lobo kwanza même na téléphone. Nzamba tiko tak. Nzamba mbalamoko mbalamoko. Nzamba lelo lelo tozela raté lobi to lobi okuna. Nzambe oyo oyé, même atomona na papa té, à travers ba intercesseur. Loko ba na alliance ya papa. Papa sa na alliance na Paul. Paul ya na alliance na Jésus-Christ. Ya ngoka na mina nzambe. Ya ngoka bundu ale sa za nango. Et qui dit même dans l'intercesseur. Ma foute est outil l'icolo. Ezo kita. Ezo kita. Intercesseur a ensemble la pona yo. Au moins le mot qu'on a ensemble, il peut sa témoignage. Ma sœur a dit quelque chose de très important vers la fin. Elle a dit, ayo kakabatu bazo témoigner. Alo baka. Ce sont des jeux. Ce sont des blagues. Mais le loya van na kitio. Maman, n'est-ce pas kitio yo. Bato au diable a mekaki. Menzambaye a bouleversé la situation. Témoignage non est fortifié des milliers de gens balandio. À travers la télévision, à travers l'internet, bazui makasi, ba comprendre que nzamba zali, nzambe wana zana walisa. Ndeko zabwe et silipona yo. Diable okokali souti. Kende musala, kende pesa kour na inikin. Bambola mabota bana kenda liboso, na ngolo nzambo ya walisa. Tikete nzamba walisa, a simboli sou makasi. Pe yo simba e makasi, okenda liboso mama. En tout cas, au pambo malisous maman Mayumbo. Merci l'équipe technique, merci na papa Léon Kayoka, Léon Max. Merci beaucoup na Aimé Bidoya. Merci beaucoup na Junior Mbunzi MJ. Merci na bandeko nyoso Achaka Bengé, merci na Fiso Kadiate équipe Mobimba. Ngape Juno Dio kana pe sibino merci. Zambo ya walesa to singie toujours. Tozana e kaka. Bien-aimé, tant ou maramozo leke la na ebisio. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et comme Matela Yango, Yorozalo va ressort, va vendre la kio. Maman Rebecca, la minute, au sauter. Place pour la Kanzaki au souka. Au leki na place ouana. Amen, ticket et zamba wale sa. A pambola biso tokutani, Nathan de témoignage, monsieur Koya. Nambale Koya. Ticket et zambi wana. A pambola biso. Au revoir. Qu'il vous bénisse richement. Merci.